Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs, et une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne locale Réveil TV. Nous sommes, n'est-ce pas, à la deuxième émission consacrée, n'est-ce pas, à la jeunesse, émission voulue et pensée par le Seigneur pour la jeunesse de Port-Gentil. Bienvenue à cette émission dont, par la grâce du Seigneur, nous avons appelé une jeunesse selon le Seigneur, parce que le but, comme nous l'avons dit à la première émission, est de pouvoir parler au cœur de la jeunesse, parce que le Seigneur compte sur vous, le Seigneur compte sur nous, le Seigneur compte sur les tout-petits, n'est-ce pas? Je suis, comme à la première émission, accompagné de mon frère Standy. Bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère. Donc, nous sommes là pour, n'est-ce pas, vous encourager, vous donner ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Non pas dans un but, comme nous avons l'habitude de le dire, de condamner, non, mais dans le but d'encourager la jeunesse, parce que le Seigneur vous aime, parce que le Seigneur nous aime, parce que le Seigneur compte sur la jeunesse. Pour ce soir, nous avons pris comme thème la sanctification. La sanctification, pourquoi? Parce qu'elle n'est plus prêchée dans des églises, elle n'est plus parlée, elle est presque muette dans beaucoup de nos assemblées. Or, le Seigneur va dire, sans la sanctification, il est difficile de lui être agréable. Donc, nous avons trouvé bon aujourd'hui de vous encourager, de nous encourager en ce qui concerne la sanctification. Étant donné que la sanctification, c'est tout un paquet, c'est quelque chose de profond, nous allons plus nous attarder sur la sexualité au milieu des jeunes en ce qui concerne la sanctification. Nous allons, n'est-ce pas, avant de commencer, présenter ces moments au Seigneur, parce que vous savez, tout ce que nous faisons est d'abord spirituel. Et le Seigneur étant le Père des esprits, il est bon de lui présenter ces moments. Que le Seigneur, au travers de cette émission, touche un cœur, qu'il touche une vie, qu'il encourage un jeune, qu'il délivre un jeune. Donc nous allons présenter ces moments au Seigneur, mon frère. Père, Seigneur, nous te bénissons ce soir pour ces moments de partage. Nous te disons merci pour cet nous voulons être conduits par l'Esprit. Papa, merci pour la chasteté. Merci pour ton amour. Nous savons que les conseils seulement ne merci suffisent pas parce que moments, Père. Nous avons merci tellement été conseillés, nous n'avons pas nous changé. Regardent. Nous voulons que merci esprit, pour ceux-là Seigneur, qui ne sont pas encore de ta bergerie et qui prêtent leur oreille à cette émission, Père. Nous voulons que ta vie nous accompagne. Nous voulons que ton esprit prenne le contrôle ce soir, papa. Dans des paroles précises. S'il te plaît, Seigneur, touche un cœur, touche plus. Prions pour cette jeunesse-là, papa, dispose les cœurs. Nous voulons cette jeunesse qui te connaît. Nous voulons cette jeunesse qui te cherche. Seigneur, pour parler. Nous croyons que dans cette ville de Port-Gentil, Père, ceux qui te suivront. Seigneur, tes disciples, tu as tes enfants, tu as une jeunesse réservée dans cette ville, Père. Seigneur, et nous voulons que ce soit une fois de plus, tu l'interpelles, que ce soit une fois de plus, tu touches à son cœur, que ce soit une fois de plus, tu l'attires, Père. Papa, prends le contrôle de tel moment, conduis-nous, Père, interpelle un cœur, encourage une famille, encourage une vie. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes sont, n'est-ce pas, exclu de la considération de ta parole. Beaucoup sont mis de côté. Beaucoup, Seigneur, sont négligés dans les assemblées, Père. Mais nous voulons qu'au travers de cette émission, nous voulons qu'aujourd'hui, Papa, tu visites une vie, que tu encourages, Papa, que tu essuies les larmes, que tu guérisses, que tu sortes, Seigneur, cette jeunesse des tourments, que tu sortes cette jeunesse du trouble, Père, que tu la sanctifies, Père. Prends le contrôle, Yahweh, et que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, nous vous disons encore bonsoir, n'est-ce pas, et bienvenue à Une Jeunesse selon le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, à partir du premier verset. Nous allons le lire. C'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens, n'est-ce pas, de Thessalonique. Il dit ceci. Au reste donc, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus que, comme vous avez appris de nous de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Jésus, vous y abondiez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Car la volonté d'Élohim, c'est votre sanctification. Car la volonté d'Élohim, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez des relations illicites
et que vous avez des relations illicites, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur. Non pas dans la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. Amen. Amen. Nous voyons ici, c'est Paul, n'est-ce pas, qui interpelle les disciples du Seigneur de Thessalonique. Et il mentionne quelque chose, et il précise quelque chose de fort dans la sanctification qu'il leur a demandé. Il dit que chacun de vous garde son corps dans la sanctification. Déjà, la sanctification, c'est quoi? C'est simplement la soumission au Seigneur. C'est simplement laisser le Seigneur régner dans nos vies. Et Paul précise quelque chose de fort ici. Il dit que chacun garde son corps dans la sanctification, loin des rapports sexuels illicites. Nous croyons que si Paul l'a mentionné ainsi pour Thessalonique, certainement Paul avait constaté que beaucoup de chrétiens et enfants du Seigneur de Thessalonique se livraient, n'est-ce pas, au sexe, se livraient à la débauche sexuelle, se livraient à tout ce qui concerne le sexe. Et nous, aujourd'hui, quand on regarde nos assemblées, quand on regarde nos frères et sœurs dans les rues, nos petites sœurs et petits frères, déjà, il faut rappeler que nous voulons encourager ces petits frères et petites sœurs et leur dire qu'il est possible de servir Jésus sans connaître d'homme pour les filles et sans connaître de filles, n'est-ce pas, pour les hommes jusqu'au mariage. C'est possible dans le Seigneur. Donc Paul a vu cela et Paul les interpelle et Paul leur fait comprendre que c'est la volonté d'Elohim. Donc toi qui nous regardes, qui vas à l'église, la volonté du Seigneur pour toi, 14 ans, 18 ans, la volonté du Seigneur est que tu gardes ton corps dans la sainteté, que tu gardes ton corps dans la pureté. Certainement le cœur de Paul a été brisé de voir cela, tout comme nous aujourd'hui. Si nous en parlons, c'est parce que nous avons le cœur heurté. Parce que nous voyons nos petits frères, déjà à 16 ans, ils sont pères. Ils sont en classe de 3e, en classe de terminale, 1e. Ils sont déjà pères. Quand ils sont pères, nous comprenons par là qu'il y a eu des rapports sexuels illicites, qu'il y a eu des choses auxquelles le Seigneur ne prend pas plaisir. Pourtant, ils servent dans des églises. Et les dirigeants des assemblées ne leur parlent pas. Les dirigeants des assemblées, ils voient l'attitude des jeunes entre eux. Vous savez, la Bible fait comprendre là-bas dans Genèse, quand Joseph va regarder les chansons et le panetier, leur apparence amène Joseph à se poser des questions. Joseph, en les regardant, il se rapproche d'eux parce qu'ils avaient une mine bizarre. Et beaucoup dans nos assemblées, quand nous regardons même nos jeunes frères et sœurs marcher ensemble, nous comprenons qu'il y a quelque chose entre eux. Mais nous ne parlons pas. Nous comprenons qu'il y a des choses auxquelles le Seigneur ne prend pas plaisir. La Bible a dit que quand, je crois c'est Abimelech qui a vu Isaac et Rebecca jouer, il a compris que c'était sa femme. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui jouent ensemble à l'église. C'est l'impudicité qui règne. Mais nous ne parlons pas. Aujourd'hui, nous voulons dire à ces jeunes, vous qui voulez servir le Seigneur, vous qui aspirez à plaire à Yahweh, vous qui aspirez à servir le Seigneur ne prend pas plaisir aux rapports sexuels illicites. Le Seigneur ne prend pas plaisir à l'impudicité, à la fornication, comme beaucoup le disent. Le Seigneur veut une jeunesse sanctifiée. Si tu veux voir la gloire du Seigneur, le Seigneur a besoin que tu te sanctifies. Le Seigneur veut que tu te sanctifies. Nous allons prendre un passage dans, je crois que c'est Genèse 39. Nous allons voir la détermination que Joseph a eue face, n'est-ce pas, à l'impudicité. Nous allons voir le comportement que Joseph a eu. Et c'est le comportement que le Seigneur attend de beaucoup de jeunes. Nous allons voir Genèse 39, pardon. Genèse 39. Nous allons prendre à partir du verset Genèse 39 à partir du verset 9.
La Bible dit, il y avait dans cette maison, il y avait dans cette maison qui soit plus... Il n'y a personne. Il n'y a personne dans cette maison, c'est Joseph qui parle. Il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Prenons à partir du verset même 8, même 7, voilà, même 7. Prenons à partir du verset 7 pour mieux comprendre. Après ces choses, il arriva que la femme de son Seigneur porta les yeux sur Joseph et lui dit, couche avec moi. Mais il le refusa et il dit à la femme de son Seigneur, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Elohim? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher à côté d'elle, d'être avec elle. Mais il arriva un certain jour qu'il entra dans la maison pour faire son travail et de tous les hommes de la maison, personne n'était dans la maison. Elle le saisit par son vêtement et lui dit, couche avec moi. Mais il laissa son vêtement entre ses mains, s'enfuit et sortit dehors. Amen. Voilà un homme servant dans la maison de son maître. On avait tout remis entre ses mains. Ça veut dire qu'on lui faisait confiance. On lui faisait confiance justement parce qu'on avait vu la grâce d'Elohim dans sa vie. Et c'est la même chose pour toi, mon frère. Dans l'assemblée parfois où tu persévères, les dirigeants de là t'ont mis des responsabilités sur le dos parce qu'ils voient ton comportement, parce qu'ils voient ta discipline, parce qu'ils croient qu'en toi, le Seigneur a déposé quelque chose. Certainement, il y a des filles qui viendront. Certainement, la convoitise apparaîtra. Quelle a été ton attitude? Pour beaucoup, nous avons été balayés. Pour beaucoup, ils ont été balayés. Balayés par la séduction, balayés par le péché sexuel. Mais voilà un homme. Il dit, à cause du respect que son maître lui a pour lui et à cause du Seigneur, il a refusé de pécher. Il a fui. Le Seigneur dit de fuir l'impudicité. On ne résiste pas à cela. On fuit, les amis. Il a fui. Combien d'entre nous dans des assemblées fuyons cela? Combien de jeunes aujourd'hui disent non au rapport sexuel, au mariage? Combien de jeunes disent non? Ce qu'il faut souligner ici, c'est que quand le Seigneur dit de fuir de telles choses, c'est parce que les conséquences sont dramatiques. Les conséquences sont profondes. Nous avons des jeunes qui ont abandonné les études à cause du sexe. Ils ont pris une grossesse. Ils ont pris une MST. Aujourd'hui, ils sont balayés. Ils ont du mal à se relever. Le Seigneur dit de fuir. Pourquoi? Il y a des jeunes qui aujourd'hui se voient en train de travailler, de faire même ce qu'ils ne devraient pas faire parce qu'il y a un enfant à nourrir. Il y a des jeunes qui aujourd'hui sont mis hors de leur maison. Beaucoup de parents ne digèrent pas. Beaucoup de parents n'ayant pas le Seigneur prennent des décisions qu'il ne faut pas. La fille enceinte, il dit pas vers qui t'a engrossé. Et c'est ainsi que beaucoup de nos jeunes sont balayés. Beaucoup de nos jeunes sont hors de la présence du Seigneur. Beaucoup de nos jeunes sont atteints des maladies. Beaucoup de nos jeunes ont perdu leur relation qu'ils avaient avec le Seigneur. Il y a des jeunes aujourd'hui de 18 ans, mais quand vous la regardez, elle donne l'impression d'une fille de 30 ans, 35 ans, à cause du péché sexuel. À cause, ça dégrade le corps. Quand le Seigneur dit de fuir, c'est parce que c'est quelque chose qui affecte non seulement le corps, l'âme et l'esprit. Le corps prend un coup, les amis. Il faut fuir cela. Tu as des responsabilités parce que tu chantes dans l'église, parce que tu joues à la batterie. À cause de ces responsabilités, tu es convoité par les jeunes filles ou toi tu es convoité par les jeunes garçons. Quelle est ton attitude? Le Seigneur te dit aujourd'hui de résister et de fuir cela pour ceux-là qui ne sont pas tombés. Pour ceux qui sont tombés, le Seigneur aujourd'hui t'appelle à la repentance. Le Seigneur te dit, viens à lui. Quoique tu es tombé, le Seigneur te tend la main. Fuyez l'impudicité. Aujourd'hui, les enfants accouchent des enfants. Qui éduquera qui? Quand ton
parle de la sanctification, quand on parle des relations sexuelles ici, d'aucuns trouvent ça mal, mais c'est la parole du Seigneur. Nous ne pouvons pas vous donner autre chose. Nous sommes passés par là. Nous sommes toujours au four, au moulin. Mais le Seigneur veut que l'on tienne. Le Seigneur veut que l'on tienne. C'est possible. Comment t'es-tu converti? Quelle parole t'a-t-on prêché? Parce que il faut le dire, beaucoup dans nos assemblées ne connaissent pas véritablement qui est Elohim, parce que l'évangile véritable ne les a pas été prêché. Le Seigneur dit dans Éphésiens, après avoir entendu l'évangile de votre salut, quel évangile as-tu écouté? Il faut se remettre en question, les jeunes, les amis, il faut se remettre en question. Amen. Il faut se remettre en question. Beaucoup sont dans des assemblées même parce qu'ils suivaient les filles. Il faut le dire, on est jeunes. On est tous passés par là. On a eu ces problèmes. Il y en a qui, aujourd'hui, je vous assure, ils sont dans des églises parce qu'ils pistonnent une petite. Il y a des petites parce qu'elles pistonnent un jeune. Ils sont dans des églises. Le Seigneur, aujourd'hui, vous dit, arrêtez, convertissez-vous véritablement. La Bible dit, on a frappé Jésus. On a frappé notre Seigneur. On l'a crucifié nu. Son sang a coulé. Ce n'est pas pour que tu viennes chercher les copines où son nom est censé être élevé. Ce n'est pas pour cela. Donc, a-t-il le jugement du Seigneur sur eux sans s'en rendre compte? Frère, il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps de revenir au Seigneur. Dans des assemblées, la sanctification n'est plus prêchée. Et vous, hommes d'Élohim, le Seigneur certainement vous redemandera des comptes. Vous êtes censé interpeller le peuple. Parents, père, maman, vous êtes censé interpeller vos jeunes face à ça. Vos enfants, nous devons leur dire, sanctifiez-vous, fuyez les rapports sexuels illicites. C'est quelque chose qu'il faut fuir, on ne le combat pas. Le Seigneur a dit de résister au diable, il fuira loin de vous. Mais face à ça, le Seigneur a dit de fuir. Le Seigneur a dit de fuir. Nous allons prendre un autre passage. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12. On va le lire, frère. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12. À partir du verset 12. Je vais le lire. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne conviennent pas. Toutes choses me sont permises. Mais je ne serai assujetti sous la puissance d'aucune chose. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Elohim détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la relation sexuelle illicite, mais pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Frère, quand on apprend ici, notre corps est pour le Seigneur. Le Seigneur le dit, notre corps l'appartient. En tant que fils d'Elohim, si tu ne le savais pas, ton corps appartient au Seigneur. Tu n'es pas censé faire de ce corps ce que tu veux. Petite sœur, quand tu t'habilles de façon légère, tu n'as pas le droit de faire cela parce que ton corps ne t'appartient pas. En agissant ainsi, tu résistes au Saint-Esprit. En agissant ainsi, tu combats le Seigneur sans t'en rendre compte. On va continuer au verset 14. Mais Elohim qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par le moyen de sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Mashiach? Prenant donc les membres du Mashiach, en ferai-je les membres d'une prostituée? Que cela n'arrive jamais. Ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez les relations sexuelles illicites, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur dit de fuir. On ne peut pas le combattre, on ne peut pas combattre cela. Ça a été la faiblesse d'Adam. Ça a été sa faiblesse. La Bible dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, ça a été la faiblesse. On ne peut pas, on fuit ces choses. Or, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est livrée à cela. Dans les églises, c'est le sexe pas la peine. Dans les églises, c'est l'impudicité. Quand
vous voyez même la façon dont ces choristes s'habillent pour chanter, je vous assure, frère, les hommes mariés dans la salle ont des problèmes. Ça, il faut le dire. Les femmes mariées dans des églises ne sont pas contentes de l'habillement de ces jeunes sœurs, même si elles ne parlent pas. Oui, maman, aujourd'hui, nous parlons pour vous, par la grâce du Seigneur. Elles ne sont pas contentes de ces habillements-là. Et les pasteurs prennent plaisir à ça. Ils ne parlent pas. Mais par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous vous disons, ce n'est pas ainsi que ça doit marcher. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur vous voit. Le Seigneur ne vous voit pas ainsi. Le Seigneur voit une jeunesse purifiée, sanctifiée par la parole. Le Seigneur voit une jeunesse lavée par son sang. Le Seigneur voit une jeunesse capable de parler aux parents, capable de ramener les parents qui font des choses qui ne sont pas bien. Le Seigneur nous voit ainsi. Le Seigneur voit cette jeunesse-là. Nous encourageons ces jeunes à chercher, à vraiment se remettre en question. Toi qui as des relations là, toi qui entretiens des relations avec celui qui joue à la batterie ou celui qui chante, toi qui entretiens des relations avec le voisin, mari qu'il est, et dimanche tu es à l'église, dimanche tu dis, je suis chrétien, par la grâce du Seigneur, on fera une émission pour parler du disciple et du chrétien. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Quand vous posez la question à un jeune, je suis chrétien. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons parler un jour de cela. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais nous voulons te dire à toi, arrête de sortir avec ce garçon-là. Ce n'est pas ça que le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur te voit comme une princesse. Réalisez un peu. Le Seigneur dit, il a fait de nous des princes et des princesses. Mais nous réduisons notre corps à quoi? Paul dit, est-ce qu'il va prendre son corps et en faire le corps d'une prostituée? Combien de garçons as-tu sorti? Combien de filles as-tu sorti? Et tu te vantes de cela? Tu ne réalises même pas que l'âge que tu as, ta physionomie ne fait pas ton âge. Tu as 20 ans, mais tu donnes l'impression d'un jeune de 35 ans. Frère, mon ami, c'est le péché qui est en train de t'engloutir. C'est le péché qui est en train de t'avaler. Quoi que tu prêches toujours, quoi que tu parles toujours du Seigneur, si tu pratiques de telles choses, tu n'es pas agréable au Seigneur. Tu n'es pas agréable au Seigneur. Tu n'es pas agréable au Seigneur. Nous vous encourageons, les amis. Petits frères, petites sœurs, nous vous encourageons. Nous ne sommes pas là pour vous condamner. Vous savez, les tribulations que vous vivez, les difficultés que vous vivez, nous le vivons. Mais comment nous faisons pour être debout? Le Seigneur fait grâce parce que nous nous efforçons. Le Seigneur dit, efforcez-vous à entrer par la porte étroite. Frère, sœur, ami, il y a un effort de ta part. Il y a une discipline de ta part à appliquer dans ta vie. Il y a une discipline. Ce n'est pas parce que tu as dit, oui Seigneur, je te donne ma vie, que tout est rose. Non. Le Seigneur dit, il y aura des tentations. Quelle sera ton attitude? Beaucoup de jeunes ne sont pas sincères avec le Seigneur. Beaucoup de jeunes dans des églises ne sont plus sincères avec le Seigneur. Ils savent qu'ils ont un problème avec l'impudence. Ils ne veulent même pas que les frères prient pour ça. Ils ne veulent même pas en parler. Non, ce n'est pas ainsi que nous pourrons plaire au Seigneur. Pourquoi sers-tu le Seigneur? La Bible nous dit que Jésus a vaincu la mort. La Bible nous le dit. Le monde en parle, tout le monde le sait. Quoique les gens refusent de vivre selon lui, ils savent qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il est ressuscité. Et c'est pourquoi nous courons après lui. Parce qu'il a la solution. Il est la solution. Il est la solution. Les biens de ce monde ne peuvent nous amener au ciel. Les biens, le travail même que l'on a, ne peut pas résoudre notre problème spirituel. Ne peut pas nous amener auprès du Seigneur. Le Seigneur nous a fait de très belles promesses. De très belles promesses. C'est possible de servir le Seigneur étant jeune, les amis. Quelquefois, j'ai des regrets parfois parce que j'ai dit, Seigneur, je t'ai accepté un peu étant un peu avancé en âge quand même. Quand vous écoutez les témoignages des frères qui ont accepté le Seigneur à 12 ans, 14 ans, je vous assure, ils ont vécu des choses magnifiques. Ils ont vécu des choses que vous ne pouvez pas. Ce n'est pas explicable. Vous savez, les choses de l'esprit, on s'efforce avec nos mots. Hein. Mais en fait, il faut vivre ça pour comprendre. Ça, je vous assure. Il faut vivre cela. Il faut vivre cela. Nous vous encourageons. Prenons
Hébreux 12, 14. On va prendre Hébreux 12, verset 14. Le Seigneur dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frère, j'attire votre attention sur le Seigneur dit bien de rechercher la paix avec tous et la sanctification. Mais après, ce qui vient au singulier, il dit, sans laquelle, ça veut dire, même rechercher la paix là, c'est la sanctification. Il aurait pu dire, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais il dit, sans laquelle. Sans la sanctification. Si vous ne vous efforcez pas à vous sanctifier, vous ne pouvez pas chercher la paix. Et il faut d'abord rechercher la paix avec le Seigneur. En tenant son corps, en maîtrisant son corps, en gérant sa chair. La jeunesse est conduite par la chair. Les rapports sexuels initiés ne sont que les œuvres de la chair, l'allié de Satan. Il faut que vous le compreniez. La chair ne sert pas le Seigneur. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, sont contraires à ceux que Elohim veut pour nous. Nous vous encourageons. Si tu te sens heurté dans ton cœur, notre prière est que tu prennes la résolution de dire, Seigneur, tu as vu mon état, tu connais mon état. Parce que si le Seigneur parle de cela, c'est parce que la jeunesse en souffre. Il y a beaucoup de jeunes dans cette ville qui ont arrêté les études à cause de l'impudicité. Et ils le font à l'église. C'est des lieux de rendez-vous. C'est les lieux de rencontre. Ils le font sous les yeux des dirigeants. Il y a des dirigeants même qui sortent avec la jeunesse. Il y en a. Une église où l'habillement n'est pas dénoncé. Parce que beaucoup vont dire, oui, l'habillement. Mais ça reflète l'intérieur de ton cœur. Pourquoi mets-tu les habits serrés? Pourquoi mets-tu les mini? Pourquoi toi, le garçon, tu veux être tendance, comme les autres disent? Pourquoi veux-tu que tes biceps, tout ça soit dehors? Mais c'est parce que dans ton cœur, tu veux qu'on te regarde. C'est parce que dans ton cœur, tu veux que l'attention soit portée sur toi. Jésus veut que l'attention soit portée sur lui. Jésus, c'est la solution. Le Seigneur dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Nous n'avons pas besoin de tes biceps. Nous n'avons pas besoin que ta jupe soit au-dessus de tes genoux. Nous voulons que tu sois conforme au Seigneur. Ça nous aide aussi. Ça aide aussi la société. Combien d'hommes as-tu fait tomber de par ton habillement? Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous réalisez? Et je comprends pourquoi le Seigneur dit, celui qui regarde une femme la convoite a péché, a commis l'adultère dans son cœur avec elle. Petite sœur, soignez vos habillements, soignez votre façon de vous habiller, soignez-le. Ayez un cœur sincère avec le Seigneur. Vous savez, nous parlons parce que notre souhait est que vous soyez véritablement convaincus. Nous voulons, amen, que vous regardez le Seigneur, amen, avec un autre œil, avec une autre façon de voir la vie. Parce que quand vous lisez les Écritures, on se pose la question, mais c'est le Seigneur que Daniel a servi, que nous servons. Est-ce que c'est le Seigneur que Samuel a servi? Est-ce que c'est le Seigneur que Joseph, on a lu tout à l'heure, que Joseph a servi? Vous vous posez des questions. Est-ce que c'est le même Seigneur qui a gardé Shadrach, Abednego dans la fournaise? Ce n'est pas notre ami. Je vous assure, ce n'est pas notre ami. Si vous ne voulez pas servir le Seigneur, sortez de l'apparence. Je vous assure. Le Seigneur veut des hommes et femmes disciplinés. Nous voulons une jeunesse disciplinée. Le Seigneur veut une jeunesse rangée, une jeunesse qui témoigne de sa grandeur. La jeunesse, nous vous interpellons ce soir encore. Loin de là, notre pensée de vous blesser de façon charnelle, non. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur aime les hommes. Si le Seigneur a parlé de la sanctification, s'il a pointé du doigt des rapports sexuels illicites, c'est parce que ça avait fait des ravages à Thessalonique. Et aujourd'hui, nous vivons ces ravages. Nous vivons ces ravages-là. Nous vivons ces ravages. Toi, à 20 ans, avec un enfant, étant dans la maison de papa, avec les temps difficiles que l'on vit, crois-tu que papa est content de toi? Non. Crois-tu que l'oncle est content de toi? Non. Crois-tu que le quartier te voit bien? Non. Pourtant, tu vas à l'église. Et que diront les gens du Seigneur? Que diront les hommes et femmes? Ils diront, regardez, c'est encore les chrétiens. Mais non. La Bible dit qu'on est censé être le sel et la lumière du monde. En te regardant, on doit voir Christ.
En te regardant, on doit voir la vie du Seigneur. En te regardant, on va voir quelqu'un de discipliné. En te regardant, on doit se sentir interpellé. Vous savez, quand Nicodème même est venu voir le Seigneur dans la nuit, c'est parce que la vie du Seigneur l'interpellait. Vous n'êtes pas obligé de parler Jésus, le Seigneur, Seigneur, non. Votre façon de marcher interpelle les gens. Votre façon, ça veut dire que vous arrivez quelque part, les gens sont dérangés. Parce que la discipline, la sainteté que vous dégagez, ils voient leurs erreurs en vous. Ça veut dire que quand ils vous regardent, ils voient les erreurs. Quand ils vous regardent, ils disent, ah, j'ai manqué ça, j'ai manqué ça. J'ai... C'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur attend cela de nous, les amis. Le Seigneur attend cela de nous, de vous. Vous êtes des personnes par lesquelles le Seigneur veut gagner des âmes. Il y a des personnes dans vos familles qui n'écouteront l'évangile que par vous. Parce qu'il faut le savoir. Le Seigneur appelle chacun de nous parce que nous sommes des canaux qu'il utilise. Il n'est pas réservé aux anges de prêcher l'évangile. Non. C'est à nous, les hommes. C'est à nous, les vivants, de parler du Seigneur. Comment vas-tu parler du Seigneur si tu ne l'as pas accepté? Comment vas-tu parler du Seigneur si ton cœur n'est pas à lui? Nous avons parlé une fois du règne de Yahweh. Est-ce que ton cœur est soumis à lui? Est-ce que c'est le Seigneur qui décide pour toi? Est-ce que c'est le Seigneur qui te dit où tu vas aller? Est-ce que c'est le Seigneur qui te dit comment marcher? Il faut qu'on en arrive là. Si ce n'est pas le Seigneur qui est au contrôle de ton cœur, c'est qui d'autre? Ça ne peut être que Satan. Voilà pourquoi tu peux voir, tu es esclave de l'alcool, du sexe, de la drogue. Tu es esclave des femmes. C'est parce que ton cœur n'est pas au Seigneur. La Bible dit, quand on accepte le Seigneur, on est scellé de son esprit. Pourquoi on est scellé? C'est justement parce que l'esprit du Seigneur combat la chair. Parce que l'esprit du Seigneur nous amène à marcher selon le Seigneur. L'esprit du Seigneur veut qu'on ressemble au Seigneur. C'est pourquoi, après une véritable repentance, vous recevez l'esprit du Père qui vous donne la capacité de marcher dans la sainteté. Quand on voit beaucoup de nos jeunes frères et sœurs marcher dans le désordre, pourtant ils écoutent l'évangile, nous comprenons qu'ils n'ont pas reçu Jésus. Nous comprenons qu'il faut une véritable conversion. Il ne peut pas avoir une véritable conversion sans prise de conscience. Il ne peut pas avoir une prise de conscience sans une interpellation véritable. L'interpellation, c'est quoi? C'est ce que nous vous disons. Le rapport sexuel ici, ce n'est pas de Jésus. Ce n'est pas que nous vous méprisons, ce n'est pas que nous vous condamnons, ce n'est pas de l'orgueil. Le Seigneur nous a délivrés parce qu'il a pointé des choses du doigt dans nos vies, je vous assure. Beaucoup d'entre nous, nous avons été convertis parce que les choses que nous faisions dans le noir, les choses que nous faisions cachées, il a pris cela, il a mis au grand jour. On ne pouvait que dire, Yahweh, tu es Seigneur, tu as raison, car tu connais toutes choses. Et aujourd'hui, nous voulons vous encourager. Pour plaire au Seigneur, fuyez le sexe. Pour plaire au Seigneur, soyez vrai avec lui, jeune. Je ne veux pas monopoliser la parole, n'est-ce pas? Je veux passer la parole à mon frère, que vraiment le Seigneur nous encourage. Que le Seigneur soit béni, mon frère. Merci. Pour ce partage-là. Amen. Je vois que tu parles avec le cœur et je veux vraiment aller dans le même sens pour dire à la jeunesse, aux jeunes, que le Seigneur attend de nous en fait que nous soyons différents. Pourquoi est-ce que la jeunesse serait toujours associée à la délinquance, au voyeurisme, à l'orgueil, à la perdition? Le Seigneur en fait veut et voit une jeunesse différente en fait, une génération nouvelle, et où des jeunes seront des modèles, où des jeunes seront en fait des personnes mises à part. Et c'est d'ailleurs le sens du mot sanctification. Par rapport à ce mot en fait, il faut dire qu'il y a deux types de sanctification. Et le Seigneur faisant, on pourra en fait faire une série d'enseignements comme ça sur la sanctification. Parce que la sanctification, de premier abord, est d'abord en fait un état dans lequel le Seigneur nous met. C'est-à-dire que le Seigneur nous sort du monde, ça veut dire simplement mettre mis à part, hein, le mot sanctification, mis à part. C'est-à-dire le Seigneur nous sort du monde pour nous mettre à part. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il nous sauve, il essaie de nous mettre à part. C'est d'abord un état, en fait. C'est un vêtement que le Seigneur nous donne et qu'on porte sur nous. Vous voyez, c'est, si vous voulez, un travail qu'il fait d'abord pour nous. On va lire un passage rapidement, mais on ne va pas insister dessus ce soir. On va parler en fait du deuxième pan de la sanctification. Je vais juste relever quelque chose.
On va lire dans Zacharie, je crois, Zacharie 3. Ouais, Zacharie 3. Zacharie 3. Parlant de Josué. Est-ce que je retrouve ça? Zacharie 3. Que j'y suis. Zacharie 3, le verset 3. Zacharie 3, à partir du verset 3. Rapidement, je ne veux pas insister dessus, rapidement. Vous pourrez lire ce passage à la maison. Vous pourrez lire l'histoire. Voilà. Le verset 4. En réalité, vous devez lire tout le passage là pour comprendre. Mais le verset 4, la Bible dit ceci. L'ange prit la parole et dit à ceux qui étaient debout devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Et il dit à Josué, regarde, je t'enlève ton iniquité et je te revais des habits de fête. En fait, ici, le Seigneur va ôter à Josué, qui était un prêtre, le prêtre d'Israël à l'époque, souvent un sacrificateur, il va lui ôter des vêtements sales. Les vêtements sales, c'est l'image en fait de votre justice personnelle, c'est l'image en fait de votre vie. Et tout homme en fait a les vêtements sales, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Et Jésus va ôter ses vêtements. Vous voyez, Josué en fait ne pouvait rien faire pour lui-même. Il a eu besoin que l'ange, en fait ici c'est le Seigneur lui-même en fait qui va ôter ses vêtements. Et là, il va lui donner des vêtements de fête. Et là en fait, à partir de ce moment-là maintenant, Josué est une nouvelle personne. Josué, en fait, elle est vêtements propres. Vous voyez, c'est ça le premier niveau de la sanctification. En fait, c'est la justification, en fait. Le Seigneur, en fait, décide de déclarer, n'est-ce pas, c'est un acte juridique. Il décide de déclarer un homme coupable. Parce que, en fait, devant le Seigneur, tous les hommes sont coupables, en fait, devant lui. Jusqu'à ce qu'il soit justifié. C'est-à-dire, en tant que juste juge. N'est-ce pas? La condamnation pèse sur chaque être humain. Vous voyez? Jusqu'à présent, vous ne savez pas, vous ignorez. Ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, vous ignorez que, en fait, le Seigneur, en fait, est en colère contre le péché. Et si vous persistez, n'est-ce pas, à demeurer dans le péché, la justice du Seigneur s'abattra sur vous. C'est pourquoi, en fait, il vous offre la solution en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit, en fait, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, ces vêtements-là, il vous faut absolument en fait les changer pendant que vous êtes encore en vie. C'est le premier niveau de la sanctification. Donc, le Seigneur le fait pour vous. Il vous met à part. Il vous sort du monde. Parce que le monde, en fait, tel qu'il est là, n'est-ce pas, il y a un temps où il viendra, en fait, la Bible dit qu'il y a un temps qui était fixé dans Actes 17, où il va juger le monde, en fait, selon ses œuvres. Vous voyez, le premier point de la sanctification. On est en train d'insister ici, ce soir, sur le deuxième point de la sanctification. C'est-à-dire, une fois que tu as été racheté, sauvé, une fois que le Seigneur t'a mis à part, comment dois-tu vivre? Et s'il y a un point particulier, en fait, c'est celui de l'impudicité, c'est celui, en fait, du péché sexuel. Je vous assure, et pour n'avoir besoin d'insister dessus, n'est-ce pas, force est de constater combien de fois, n'est-ce pas, le péché sexuel, n'est-ce pas, domine sur la jeunesse et sur le monde de façon générale. Et combien de scandales, en fait, ça cela crée. C'est terrible. C'est peut-être le péché. Je n'ai pas dit peut-être, c'est l'un des péchés qui conduira beaucoup d'âmes en enfer. Le péché sexuel. Parce que c'est un péché en fait très très plaisant. Très très plaisant. Parce que la chair y trouve du plaisir. Et l'ennemi le sait, c'est pourquoi il maximise. Regardez combien de fois la pornographie est à portée de main. C'est terrible. Les androïdes. C'est terrible. Combien de fois il devient facile. Et Dieu seul sait combien de fois la jeunesse est tenue captive. Vous croyez que l'ennemi, vous croyez qu'en fait cette facilité-là a été en fait, je dis ça comment, hâtée en fait par l'ennemi. Pourquoi? C'est pour corrompre la jeunesse en fait. Parce que quand vous commencez, quand vous y entrez, vous voyez, vous devenez en fait captif. Le Seigneur dit, on est vaincu, en fait on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Amen. C'est terrible. L'ennemi sait que quand vous êtes jeune, quand vous commencez en fait avec la débauche, il vous est difficile d'en sortir. Et c'est comme ça que beaucoup gâchent leur vie.
quand ils sont encore jeunes. Pendant que, parce qu'en fait, on doit veiller sur la jeunesse. Sur les, quand ils ont 12, ils sont curieux. La jeunesse, c'est aussi le temps où on veut explorer les choses. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il vous apporte le fruit interdit. Il vous apporte ce... il éveille en vous la curiosité. Le péché, jamais génération n'avait été aussi, en fait, assaillie, n'est-ce pas, que la nôtre. C'est une génération perverse et corrompue. Et Pierre dit, sauvez-vous, jeune homme, jeune femme, sauvez-vous de cette génération perverse. La pornographie à partir de demain, et la masturbation, l'homosexualité, et toutes ces choses, n'est-ce pas, sont là. Elles sont là, en fait. Quand... Mais les jeunes sont exposés à Novela TV. Qu'est-ce qui est véhiculé dans ces choses-là? Ben, c'est le péché sexuel qui, en fait, qui est banalisé. Amen. C'est le péché sexuel qui est banalisé. Et la jeunesse se perd. Et la jeunesse, en fait, est vaincue par la débauche. Et ce soir, en fait, nous voulons t'interpeller. Peut-être que tu l'ignorais. J'ai eu en fait à interpeller, quand il m'arrive de le faire, des jeunes filles qui s'habillent de manière légère en sexy, autour en 16 ans, 15 ans. Je dis, mais pourquoi tu t'habilles? C'est-à-dire qu'elle est quasiment en sous-vêtements, elle sort comme ça. Je dis, mais pourquoi tu sors comme ça? Elle dit, ben elle va à la plage. La dernière fois, elle me disait qu'elle va à la plage. Une fille qui m'a dit, elle va à la plage. Je dis, mais pourquoi tu t'habilles? C'est pas normal. Je ne sais pas comment les parents peuvent laisser leur fille sortir de la sorte. Voilà, c'est ça qu'on appelle la mode. C'est pas normal. Comment des parents vont laisser des jeunes sortir de leur maison comme ça? Le monde, c'est terrible. Nous sommes dans une société qui veut faire passer le mal pour le bien et qui encourage tellement l'ennemi à travailler les consciences des gens que l'ennemi, en fait, les hommes, ils n'ont même plus de discernement. Et c'est pourquoi c'est l'évangile qui est la lumière du monde. Alléluia. Où les ténèbres, en fait, encerclent et envahissent le monde, la lumière de la parole vient pour éclairer, pour dire, attention, là, on a franchi la ligne rouge. On est loin. Il n'y a plus de pudeur dans cette société. C'est terrible. Il n'y a plus de pudeur. C'est-à-dire que le père, la mère, tout le monde est assis à table, on est en train de regarder en fait comment les gens s'embrassent. Mais c'est terrible. Mais à l'époque, on devait encore avoir honte, on devait se cacher. Mais aujourd'hui, on atteint les limites où deux hommes sont en train de s'embrasser. J'ai crié au scandale, mais c'est quoi? C'est pour véhiculer quoi? Il y a un esprit derrière en fait, c'est subtil. Pour encourager les gens à verser dans l'homosexualité. Frères et sœurs, la Bible dit quoi? Le passage qu'on a lu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc Dieu a des attentes vis-à-vis de toi, jeune. Il y a beaucoup qui se réjouissent parce qu'elle est brune, elle est belle, elle est jeune. Son corps, c'est à elle, sa vie l'appartient quoi? C'est bien. C'est très bien. Mais sais-tu seulement que le Dieu qui t'a créé, qui t'a donné ce corps-là, a des attentes en fait pour toi? Il ne t'a pas créé avec ton physique que tu en fasses une arme de destruction massive. Parce qu'à cause de toi, beaucoup d'hommes, en fait, sont troublés. Les hommes, la Bible dit que Lot, n'est-ce pas, il souffrait, son âme souffrait dans la société, en fait, de Sodome et Gomorre. C'est-à-dire qu'à cause de vous, des gens sont troublés. Quand ils sont dans les véhicules, là, ils sortent, c'est pas possible. Ils ont envie de tromper leur femme à cause de vous, jeune femme. À cause de vous, jeunes femmes, les hommes sont attaqués. C'est terrible, en fait. Vous n'avez pas conscience de ça. C'est pourquoi le Seigneur vous aime et ce soir, il vous met en garde. À cause de vous, dans la pensée, beaucoup d'hommes sont tombés, en fait, dans le péché. Parce que dans la pensée seulement, il est suffisant, en fait. Le Seigneur n'a même pas besoin qu'on aille jusqu'à l'acte. Juste, en fait, le fait de l'avoir fait dans son cœur. Vous avez déjà commis le péché. Et c'est à cause de vous. Et vous rendrez compte au Seigneur. Combien de personnes sont tombées dans le péché à cause de vous? Celles qui sont déjà en enfer et celles qui sont encore en vie. Vous rendrez compte? Le Seigneur ne vous a pas formé un corps, n'est-ce pas, pour le défier, pour le désobéir, pour en faire un instrument de péché. Au contraire, il est écrit, tu m'as formé un corps afin que je puisse t'adorer. Le corps a été formé pour adorer le Seigneur. Jeune femme, jeune garçon, votre corps n'est pas censé, n'est-ce pas, être un instrument entre les mains du diable. Ce que vous ne savez pas aussi, c'est que à travers votre corps, n'est-ce pas, il y a des démons qui viennent aussi pour vous encourager, en fait, pour amplifier les désirs de la chair. Et ce soir, Jésus-Christ vous aime et il vous interpelle, bien-aimé. Qu'est-ce qu'on a lu? Qu'est-ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens, dans 1 Thessaloniciens 4? Il est écrit,
verset 3, 1 Thessaloniciens 4, 3. Voici en effet la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification. Que vous vous absteniez de la fornication. Regardez un peu. Paul écrit à des êtres humains, ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des êtres humains comme vous et moi, des jeunes. Il écrit à tout le monde, en fait. Et il leur dit ce que Dieu attend d'eux. Il peut en fait arriver que vous vous ignorez, que vous ne savez pas en fait comment marcher avec le Seigneur. Paul leur écrit en leur disant, en leur exprimant, en amenant devant leurs yeux ce que Dieu attend d'eux. Quelles sont les attentes du Seigneur pour la jeunesse que vous êtes, pour l'homme et la femme que vous êtes? Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir quel type de jeune, quel type d'homme ou de femme Dieu veut-il que je sois? Et si Paul écrit, il prend la peine de préciser. Il sait qu'il y a la tentation. Vous savez, nous sommes en fait appelés à combattre tous les jours. Nous sommes appelés en fait à lutter. Et on va lire peut-être des passages dans ce sens-là. Mais on n'est pas censé être des figurants dans cette lutte, dans ce combat-là. Le Seigneur dit dans Apocalypse, aux églises, à celui qui vaincra. Le Seigneur sait qu'il y a la tentation. La Bible dit que Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Voilà pourquoi j'aime aussi le Seigneur Jésus-Christ. Il a pris la peine de venir sur cette terre pour marcher et être confronté à la tentation comme nous. Et il a marché et il n'a pas commis de péché. Il a vaincu. Alléluia. Jésus-Christ a marché sans péché. Et vous qui êtes faibles, regardez à celui qui est fort, c'est-à-dire Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a marché, il est le seul. Hein. Aucun être humain n'a marché sans péché comme l'a fait Jésus-Christ. Et si vous vous confiez en lui, je vous assure que vous pourrez vaincre le péché. C'est pas facile. Mon frère a dit, c'est pas facile. C'est difficile même. C'est très difficile. Vous devez être déterminé. Elle dit que vous vous absteniez. C'est-à-dire que vous, il ne dit pas que Dieu va le faire pour vous aussi. Amen. En fait, il y a deux pans. Amen. Je dis, il y a ce que Dieu fait pour vous. C'est-à-dire que les vêtements là, Dieu les enlève. Il vous met maintenant les vêtements propres et il vous donne la responsabilité de conserver ce salut-là. Amen. Et là, donc, je m'oppose comme ça à ceux qui pensent qu'on ne perd pas le salut. Il y a un effort à fournir. Pardon. Si manifestement vous marchez à l'encontre de ce que Dieu attend de vous, vous êtes à côté de la plaque. Je vous assure, vous êtes hors course, en fait. Et dit, vous vous absteniez. Il y a une abstinence. Mais on se moque des jeunes qui veulent s'abstenir. Je tiens à encourager. Parmi, ils sont rares, certes, mais il y en a quand même quelques-uns. Parmi vous, vous qui n'avez pas encore connu d'hommes et de femmes, je vous assure, gardez votre corps jusqu'à la fin. Vous plaisiez au cœur du Seigneur. Je vous assure, Dieu, quand il vous regarde, Dieu est content. Amen. Je vous encourage à garder votre corps. La Bible dit que vous vous absteniez. L'abstinence est biblique. Je tiens à crier haut et fort ce soir encore. Pendant qu'on se moque de vous, on essuie ces moqueries au lycée. Tu n'as pas de copine, tu es marié. Et donc, parce que tu veux prouver à un ami que toi aussi tu es un homme, tu veux maintenant commencer à draguer les femmes. Et quand tu vas attraper une maladie, malheureusement, hein, d'autres le font sans problème. Donc, quand tu vas commencer, voilà maintenant que tu vas attraper, en fait, il y a une grossesse qui va se produire. Bref, ça va se passer. Parce que Dieu t'aime, toi. Dieu te veut, toi. Jeune fille, jeune garçon, Dieu t'aime. Et ce soir, sois encouragé. Amen. Ne va pas livrer ton corps à un inconnu. Ne gâche pas ta virginité. Garde-la. C'est le bien le plus précieux que tu offriras à ton mari. Parce que tu as de la valeur. Je ne condamne pas ceux qui l'ont déjà connu. Hein. Ceux qui l'ont déjà fait, ça, je ne condamne pas. Mais je tiens à dire aussi à ceux qui ne l'ont pas encore connu. Abstenez-vous. Parce que c'est la volonté parfaite du Seigneur pour vous. Tout ce qu'on vous raconte, ce sont des bêtises. Soyez encouragés ce soir. Dieu veut. C'est pourquoi il faut, les parents doivent veiller sur leurs jeunes enfants. 12 ans, 13 ans, l'âge de la puberté. Il faut veiller sur eux. Il faut parler avec eux. La sexualité n'est pas un tabou. Il faut éduquer. Ça fait partie de l'éducation, en fait. Amen. Il faut éduquer les enfants. Sinon, ils vont aller chercher ça eux-mêmes, ils vont découvrir. Et ça risque de très mal se passer pour eux. C'est la rue qui va les instruire, ou bien ce sont les médias qui vont les instruire. Nous sommes dans une société hyper sexualisée. Et c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Frères et sœurs, Dieu a un but quand il a créé la sexualité. Dieu veut que vous en profitiez. Dieu nous a fait don.
Dieu n'est pas contre la sexualité. Il y a un cadre dans lequel Dieu veut que ça se passe. Amen. C'est un don, c'est un cadeau que le Seigneur nous offre. Amen. Il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps où vous et moi pourrons en jouir. Comme vous pouvez le remarquer ce soir, je ne suis pas encore marié. Mais on s'efforce de tenir bon. C'est pas évident. Nous sommes exposés. Je vous parle avec mon cœur. Nous sommes exposés aux multiples tentations. Il y a des femmes ici et là au travail qui veulent quelque chose. Mais comme Joseph l'avait dit, comment commettrais-je un aussi grand mal? C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire que personne ne voyait Joseph. Il n'y avait que lui et la femme de son maître. Mais il s'est dit, parce que le Seigneur te voit dans le noir, le Seigneur te voit. Lorsque le pasteur ne te voit pas, Dieu te voit. Lorsque les frères et soeurs ne sont pas là, le Seigneur te voit. Amen. Quand tu te caches dans ta chambre, ce que tu veux faire, le Seigneur te voit. Et Joseph a conscience, il avait conscience de ça, que le Seigneur, en fait, n'est-ce pas, il est omniprésent. Et il est inutile de vouloir mentir aux hommes, n'est-ce pas, et de rompre l'intimité que tu as avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que cette intimité qu'on a avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le péché vient rompre, en fait. C'est pourquoi je m'interroge. Comment se fait-il qu'il y ait des êtres humains qui, n'est-ce pas, affirment être chrétiens, qui vivent délibérément dans le péché et estiment être avec le Seigneur? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? C'est impossible, en fait. Je vous assure, vous. J'avais échangé avec une femme qui me disait vivre en concubinage. Et elle payait sa dîme. Je dis, ma soeur, rien ne peut se passer. Elle dit quoi? Que vous vous abstenez de la fornication. La fornication, le concubinage n'est pas du Seigneur. Je vous assure, ce soir, si vous entendez ce message-là, c'est le Seigneur qui vous parle par amour. Parce que si vous mourrez dans le concubinage, c'est l'enfer qui vous attend. Amen. Quand Paul écrit ça, ne sait-il pas que la vie sera difficile? Ne sait-il pas en fait que l'homme a des désirs? Si, il le sait. Mais il écrit quand même parce que par l'Esprit du Seigneur, vous serez capable en fait d'assujettir la chair. Bon, regardez un peu, regardez comment c'est magnifique. On va revenir sur ce passage-là. Lisons en fait 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. 9. Verset 26. 1 Corinthiens 9, 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Alors, pourquoi est-ce que Paul court? En fait, l'appel du Seigneur, en fait, n'est-ce pas, c'est aussi comme, n'est-ce pas, une compétition dans laquelle, en fait, nous venons prendre part. Vous voyez, nous courons pour aller où? Nous courons pour aller au ciel, frère. Nous sommes en marche pour aller vers le ciel. Alléluia. Vous devez le savoir, frère. Parce qu'un jour ou l'autre, nous allons quitter, n'est-ce pas, le plaisir sexuel. Nous allons laisser toutes ces choses-là, la terre, etc., pour aller au ciel. Et nous allons avoir la vision du ciel. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas, n'est-ce pas, rester. Moi, je veux aller au ciel, quoi qu'il en soit. Et dit, je cours. Vous devez courir, frère. Si vous avez rempli jusque-là, c'est bien. Mais aujourd'hui, vous êtes appelé à courir. Vous devez courir, frère. Amen. Vous devez courir. Et là, ce qui m'intéressait, c'est le verset 27. Mais je mortifie mon corps et je le tiens assujetti. Si vous laissez votre corps s'exprimer à tout bout de champ, je vous assure, vous commettrez des dégâts pour vous-même, vous serez un grand perdant. Que vous aura-t-il servi, n'est-ce pas, d'avoir couché avec toutes les femmes ou tous les hommes possibles sur cette terre-là et de finir en enfer? Quand on prend non seulement, n'est-ce pas, les conséquences que cela peut engendrer sur cette terre, mais quand on prend encore même au plus loin ce que ça coûtera votre éternité, est vraiment insensé celui qui, n'est-ce pas, décide, qui opte pour se faire plaisir maintenant. Et c'est ça en fait la force du péché, notamment sexuel. Il y a un passage dans le Proverbe en fait qui dit, dans Proverbe 7, si les frères de la régie peuvent retrouver en fait, il dit, parce que la sentence contre les mauvaises œuvres, n'est-ce pas, tarde à venir, les fils de l'homme se remplissent de désirs de péché. Donc, comme vous dire quoi? Le diable vous dit péché, péché maintenant, parce que vous allez payer l'addition plus tard. Donc, vous consommez. En général, on dit, payez avant d'être servi. Le diable dit, servez-vous, vous allez payer après.
L'addition sera très lourde après. Et il dit quoi, Paul lui-même qui écrit aux Thessaloniques, il dit que lui-même il ne déroge pas la règle. Ce n'est pas parce que nous portons la parole ce soir que vous pensez que nous sommes en fait exemptés de cela. Non. Loin de là. Nous sommes nous-mêmes, n'est-ce pas, soumis. Parce qu'avant que nous ne naissions, d'autres le faisaient déjà. Il y avait d'autres qui avaient en fait tenu jusqu'à la fin. Comme Paul dira, j'ai combattu le bon combat. Mais c'est quoi les combats là? Mais c'est la tentation sexuelle aussi. C'est de refuser la masturbation. C'est de dire, Seigneur, c'est difficile. Frère, voici un secret. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose et que vous êtes confronté à une difficulté, venez vers lui, Seigneur, j'ai du mal. Soyez sincère en fait. J'ai du mal avec telle chose. En ce moment, je me sens très mal. Donne-moi la force. Et si vous ne donnez pas la force, à ce moment, vous pourrez l'accuser. Le passage de... Ok, merci les frères. Ecclésiaste 8, merci les frères. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions s'exécute pas promptement, le corps des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Donc comme eux, ils voient que le Seigneur est lent, donc il est à l'église et qu'il couche entre eux, surtout les chants, surtout en fait le groupe musical, c'est surtout eux. Mais la débauche, la légèreté qui est là-bas est grave. Donc comme il fait ça une fois, deux fois, trois fois, le Seigneur ne fait rien, il continue. Le pire c'est que, je ne sais pas, quand les frères, ils le font, ils tombent, ils ne tombent même pas. En fait, ils vivent dedans, vous voyez, et puis ils se tiennent devant le peuple du Seigneur, en train de conduire le temps de louange, sans crainte, sans tremblement. Non, faites attention. Faites attention. Il y a un temps où, n'est-ce pas, le jugement du Seigneur, en fait, atteint, c'est-à-dire qu'il y a un seuil de tolérance. Je tiens à vous encourager ce soir, frères et sœurs, à vous ressaisir, à vous réveiller. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ni Paul, ni moi, ni vous ne ferez exception de cela. La Bible dit que Paul traitait durement son corps. Paul traitait durement son corps. Pourquoi? Quel est le risque si vous ne vous absteniez pas? Quel est le risque si vous n'assujettiez pas votre corps? Il dit, de peur d'être moi-même désapprouvé. Je ne sais pas comment les gens peuvent dire qu'on est, on n'est pas pour le salut. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Parce qu'il y a aussi des gens qui vous disent que non, mais ce n'est pas grave en fait. Le Seigneur ne regarde pas la sanctification, n'est-ce pas, du corps. Donc, autrement dit, tu peux aller avec tous les hommes que tu veux, ça ne fait rien. C'est terrible. Paul lui-même qui a enseigné la grâce, Paul qui a enseigné que Dieu est bon, Dieu est amour, il dit ici que si son corps n'est pas assujetti, il sera désapprouvé. Comment vous voulez dire que Paul n'a pas dit qu'on parle le salut? Votre salut, n'est-ce pas, vous devez le conserver jusqu'à la fin, en marchant dans la sanctification. Vous devez refuser, n'est-ce pas, le péché aujourd'hui. Vous devez réitérer ce refus-là demain. Vous devez le réitérer encore après-demain, jusqu'à la fin de votre jour, jusqu'à ce que vous soyez mort, en fait, dans le Seigneur. Et là, vous pouvez dire comme Paul, justement, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, parce que Paul était déjà à la fin. Alléluia, frère, on est encore jeune, moi je suis jeune, frère. Et je sais qu'il y a encore beaucoup, n'est-ce pas, de combats qui sont devant moi. Mais par la grâce du Seigneur, la Bible dit qu'il nous fera toujours triompher. Il nous rend plus que vainqueurs. Aussi longtemps que notre foi est basée sur celui qui n'a jamais péché, n'est-ce pas, frère, nous pouvons nous garder dans cette génération perverse. La Bible dit que Noé a été trouvé intègre dans sa génération. Amen. Donc notre défi à nous, c'est d'être trouvé, n'est-ce pas, saint dans notre génération. C'est de pouvoir en fait échapper, n'est-ce pas, à toutes les corruptions que le diable, n'est-ce pas, est en train de déployer. Vous savez, moi je crois en une chose. De même que l'ennemi déploie tout son arsenal pour corrompre la jeunesse, pour corrompre les hommes et les femmes, n'est-ce pas? Parce que aucune génération n'a subi la tentation comme nous la subissons aujourd'hui. Jamais. C'est terrible. Aujourd'hui, l'iniquité s'est accrue. Aujourd'hui, le péché a augmenté, c'est sûr. Je crois que, n'est-ce pas, le péché est tellement manifeste aujourd'hui. Mais je crois par ailleurs que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Je crois que le Seigneur, en fait, va sanctifier également son peuple. Le Seigneur va davantage, en fait, répandre un esprit de sainteté, n'est-ce pas, dans la jeunesse. On va de plus en plus voir des jeunes, n'est-ce pas, des jeunes terriblement saints, sans compromis, des jeunes qui se gardent comme des Joseph, qui refusent de se souiller. On va de plus en plus voir en fait des jeunes femmes vraiment qui refusent de se laisser toucher. Pas n'importe qui, c'est pas normal. Mais un ami, un collègue, un camarade vient te toucher. C'est quoi ça? C'est quoi? Vous savez, le Seigneur, quand,
quand l'Esprit du Seigneur est en nous, il met en nous en fait le dégoût du péché, le dégoût en fait de lui déplaire. C'est-à-dire qu'on peut déplaire aux hommes, mais au Seigneur, on ne veut pas lui déplaire. On veut en fait qu'il soit satisfait et content de nous. Et c'est pourquoi on s'efforce. La Bible dit que Paul va dire qu'il tient son corps assujetti. Donc il y a une discipline. Comme mon frère a dit, fuyez l'impudicité. Mais si vous traînez, n'est-ce pas, avec des copines qui, n'est-ce pas, passent le temps à raconter comment elles ont fait leur expérience avec leurs copains, comment elles sont entretenues par des hommes mariés, c'est scandaleux. Mais vous serez tenté, parce que vous regardez en fait au téléphone qu'elles ont, c'est du n'importe quoi. Concentrez-vous sur vos études. Demain, vous serez capable d'en acheter 4, 5, 6, comme vous voudrez. Amen. Avancez dans vos études, je vous assure, ça passe. Amen. Qu'est-ce qui va se passer en fait pour cette fille-là? Ou elle aura une grossesse indésirée, ou bien elle va arrêter les études, ou bien une maladie. Bref, en plus de son salut qui est en jeu, pour celles-là qui sont dans le Seigneur, et même ceux qui sont dans le monde, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'elle court comme risque? Vous imaginez qu'à cause d'elle, il y a des enfants, n'est-ce pas, de cet homme-là, qui ne mangent pas parce qu'elle vient escroquer, elle vient se tirer de l'argent. Vous imaginez ça? C'est terrible. Et donc, toi, tu n'as pas à avoir honte, à rougir. Ma soeur, mon frère qui est déjà dans le Seigneur, sois encouragé, tiens bon, accroche-toi à Jésus. En fait, ce n'est pas toi qui as tort, tu as raison. Amen. On est fait de te démontrer que c'est toi qui as tort. C'est faux! Même si on se moque, même si on se moque de toi, c'est pas grave. Si c'est à cause de Jésus, gloire à Dieu. Amen. C'est à ton crédit, frère. Le ciel est content. Vous savez, je préfère que tous les hommes soient contre moi et que le Seigneur soit avec moi plutôt que ce soit l'inverse. Ne vous conformez pas au siècle présent. Petite amie, petite copine, etc. Sortez de là. Jésus vous veut à part. La sanctification, frère, ça touche vos pensées, ça touche votre manière de vous vêtir. Vous n'avez pas le droit d'exposer votre corps, jeune femme, comme on l'a vu. Vous n'avez pas le droit de montrer votre soutien-gorge. Ce n'est pas normal. Même dans votre maison où il y a des frères, avec vos frères, ils n'ont pas le droit de vous voir en sous-vêtements. Après, on va parler d'inceste. C'est à cause de quoi? C'est à cause de tout ça. Trop de légèreté. Franchement, ce soir, en fait... C'est vraiment le but, c'est vraiment le message que nous voulions porter. En tout cas, c'est vraiment ce que je voulais dire. Je veux lire un passage encore. Dans 2 Timothée, Toi donc, mon fils. En fait, j'aime cette expression-là. Parce qu'elle est personnelle. Donc, à la place de Timothée, mets ton prénom, mets ton nom. Toi, jeune, mets ton nom dessus. Mais à toi. C'est-à-dire que tous les autres peuvent le faire, sauf toi. Parce que Dieu a ses regards sur toi. C'est un Dieu de la foule. Mais c'est de la foule, les hommes qui, n'est-ce pas, chacun pour sa part a fait la rencontre avec Jésus-Christ. Et dit, mais toi, mon fils, c'est-à-dire que Dieu s'intéresse à toi personnellement, individuellement. Tout le reste, tes amis peuvent le faire sauf toi. Tu n'as pas le droit de vivre comme tu veux vivre. Il faut te plier aux exigences du Seigneur parce que le Seigneur t'appelle toi, jeune fille, jeune garçon. Il t'appelle toi. Il dit, mais toi... Mais toi, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? La force de se sanctifier. On va se dire, mais est-ce que c'est vraiment possible de vivre aujourd'hui sans forcément, n'est-ce pas, aller avec un garçon, aller avec une fille? Est-ce que c'est possible? Paul dit, par la grâce qui est en Jésus-Christ. En fait, il y a des moyens que le Seigneur met à notre disposition, mais qui sont en lui. Autrement dit, la seule manière d'échapper à cette tentation-là, n'est-ce pas, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul chemin, en fait, qui vous reste. Parce que vous avez la marque du Seigneur, vous avez le chemin et les moyens. Et même quand vous êtes en Jésus-Christ, il y a des moyens que le Seigneur met à votre disposition pour ne pas tomber. Amen. Et si vous négligez ces moyens-là, il dit, sois fortifié dans la grâce
qui est en Jésus. La grâce n'est pas en dehors de Jésus-Christ, elle est en Jésus-Christ. Et donc, vous bénéficiez de cela par le fait pour vous de fléchir les genoux. Vous savez, il y a un niveau, le livre des Hébreux 12 dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. C'est-à-dire que vous êtes tellement, n'est-ce pas, tellement oppressé. Vous êtes tellement acculé par le désir sexuel, n'est-ce pas? Vous fléchissez. Vous voyez ce frère-là, cette sœur-là, qui est dans le secret, dans sa chambre, en train de pleurer. Seigneur, je sens que je suis au bord de lâcher. Seigneur, je tiens à encourager. S'il y a un frère qui est dans cette situation-là, tu es tellement acculé, tu es sur le point de craquer, de lâcher la foi pour aller avec cet homme-là, parce qu'il te fait des propositions, parce que la vie de sanctification coûte cher. Parce qu'il veut en fait s'occuper de toi, il te fait cette proposition-là, il y a de l'argent en jeu. Tiens bon, sœur, ce soir le Seigneur te répond, ne lâche pas. Tu vas perdre, tu n'as pas idée de ce que tu vas perdre en comparaison à ce qu'il te propose là. Tiens bon, ne lâche pas. Tu pleures dans le secret, Seigneur, je suis au bord vraiment de lâcher tout, mais fortifie-moi, Seigneur, encourage-moi, aide-moi à tenir bon, parce que tu veux que je me sanctifie, tu veux que je garde mon corps dans la sainteté, tu veux que je sois assujetti, tu veux que j'assujettisse la chair, c'est votre responsabilité, mais venez auprès du Seigneur ce soir. Il vous appelle à lui. Vous recevrez en fait cette capacité-là. La Bible dit, qu'est-ce qui triomphe du monde? Qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est notre foi, 1 Jean 5. C'est notre foi qui triomphe du monde. Vous savez, vous êtes véritablement converti. Lorsque, dans toute cette tentation-là, n'est-ce pas, vous arrivez quand même à triompher. Alléluia. C'est une chose d'être tenté, c'en est une autre de succomber tout le temps. Donc vous tombez, franchement, voici une des preuves, n'est-ce pas, qui atteste, j'allais dire, que vous êtes réellement sauvé. Lorsque vous avez une victoire constante sur le péché, non pas occasionnelle, n'est-ce pas, mais permanente, c'est-à-dire à chaque fois que vous affrontez le diable, vous avez la victoire. Et s'il arrive qu'il vous fasse tomber, vous vous relevez d'aussitôt. J'ai aussi encouragé ceux qui sont tombés. Soyez encouragés ce soir. Soyez encouragés. Le Seigneur vous a pardonné si vous avez été réellement repenti. Vous voyez? Mais vous devez garder la constance dans la victoire contre le péché. Si le péché domine sur vous, ben je tiens à vous dire que vous ne pouvez pas dire que vous êtes sauvé. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Vous sortez parce qu'il y a beaucoup à dire et c'est passé notre. C'est une émission, on abordera encore ce thème prochainement. Je veux lire ce passage-là dans 2 Timothée 2, verset 19. Je vais lire plus haut. Verset 19, oui, c'est ça. Toutefois, 2 Timothée 2, 19. Toutefois, je vais lire ici, le temps que le frère se retrouve. 2 Timothée 2, verset 19. Toutefois, le fondement de Dieu demeure ferme. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est une chose d'être connu du pasteur ou des frères et sœurs. C'en est une autre d'être connu du Seigneur. Et il dit ici, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Parce qu'ils ont le sceau du Seigneur en fait. Vous ne pouvez pas tromper le Seigneur. Quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'injustice. Si les frères peuvent trouver vraiment le passage, voilà. Merci. Alléluia. Quiconque invoque, qui que vous soyez, si vous invoquez, n'est-ce pas, le Dieu Saint, il dit, vous devez vous éloigner de l'iniquité. Vous ne pouvez pas invoquer le Seigneur, dire tout le temps, Seigneur, 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 et vous ne voulez pas vous éloigner de l'iniquité. C'est quoi la conséquence? Il s'en suivra que ce jour-là, il vous dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Vous devez vous en séparer. Et la responsabilité vous incombe, n'est-ce pas? Si vous êtes déterminé à y arriver, le Seigneur vous accompagnera et vous aidera. Comme on l'a vu, vous devez être discipliné. Quiconque invoquera le Seigneur,
Quiconque invoque le nom du Seigneur, qui se donne l'iniquité. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des vases, il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un donc se purifie, j'aime ça. Je disais tout à l'heure, c'est vraiment le deuxième volet de la sanctification. C'est-à-dire que le Seigneur rend responsable celui qui l'a sauvé de son salut. À ce moment-là, il doit se purifier, il doit se séparer, il doit s'éloigner, il doit fuir l'impudicité. Il n'a pas resté, il n'a pas traîné dans les endroits en fait où il est susceptible de tomber. Il doit prendre ses jambes à son cou et sauver sa vie. Il doit fuir. Il dit, si quelqu'un donc se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié et utile au Seigneur et préparé pour toute bonne œuvre. Gloire au Seigneur vraiment par rapport à ça quoi. Il dit fuis aussi les désirs de la jeunesse. Alléluia. Notamment le désir sexuel. Fuis ces choses-là, frère. Alléluia. Frère, je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui, pour ce soir. Nous bénissons le Seigneur. Vous voyez vous-même en fait comment c'est un sujet vraiment vaste. Et là-dedans, vous et moi, nous recevons. Ne croyez pas que quand nous partageons ici, c'est forcément vous que nous visons. Non. Nous encourageons. Et dans ces échanges-là, nous recevons aussi. Déjà, la parole, quand elle est donnée premièrement pour celui qui la sort. Il ne faut pas oublier cela. Donc, nous vous encourageons, n'est-ce pas, pour ceux-là qui se sanctifient déjà. N'ayez pas honte de continuer à vous sanctifier. Vantez-vous-même de ce que vous obéissez au Seigneur. Vous savez, c'est une grâce, c'est un plaisir, c'est un privilège de tenir. Nous voulons aussi, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur, encourager nos parents, nos grands frères, vous qui avez des enfants. Vous savez, les enfants sont comme... La jeunesse est comme un verre vide, vous voyez. Amen. Si vous, les parents, vous, les grands frères qui avez déjà une certaine maturité dans la foi, si vous ne remplissez pas ce vase-là des choses du Seigneur, c'est le monde qui le fera. Donc nous interpellons nos parents, nous interpellons les aînés, les adultes, vraiment, même pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, de chercher le Seigneur afin de remplir vos enfants, n'est-ce pas, des choses du Seigneur. Les enfants sont tellement curieux, la jeunesse est tellement curieuse. De tels sujets non abordés, je vous assure, c'est WhatsApp qui va les enseigner, c'est Facebook, c'est Telegram, c'est Instagram, c'est tous ces réseaux sociaux-là. Vraiment, nous vous encourageons à remplir vos enfants du Seigneur, à remplir ces vases vides pour que demain ils soient utiles au Seigneur. Donc, par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas, nous allons arrêter par là. Nous vous bénissons, nous prions que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous encourage. Si vous vous êtes senti interpellé, ne résistez pas au Seigneur. Ce n'est pas nous qui parlons, c'est le Seigneur qui utilise nos bouches pour parler. Soyez encouragés, soyez bénis. Nous nous voyons jeudi prochain à la même heure. Nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous aurons une jeunesse selon le Seigneur. Amen. Soyez bénis au nom de Yeshua. Amen. Amen.